Bon, ici, voyons voir si ce match a été réellement intense. Bon, mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Draco va gagner. Va gagner ben, d'une façon réellement trop facile. Noah serait laissé tomber dans le vide à la fin, alors que c'est lui qui domine et qui dominait durant tout le long de la partie. États-Unis d'Amérique, Floride. Ça a l'air pas mal silencieux. Un jeu fermé. Ça, c'était bon. Regardons la suite des événements. En tout cas, Nao n'aurait jamais perdu ce match-là. Jamais. Bon, Draco est à 104%. Là, je pense qu'il serait temps de éliminer Ben Red, pas charger son B. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est sûr qu'il va l'éviter. Il veut pas se faire éliminer encore comme ça, là. Hey! Un move de trop. Hein? Non. Regardez, il va se laisser jeter dans le vide pour rien. Pourquoi t'as abandonné? Il y avait aucune raison que t'abandonnes. Tu avais la partie entre tes mains. Puis
puis tu t'en vas te jeter dans le vide comme ça. Ben bravo. Tantôt, je vais en vous montrer un, moi, un match intense. Compte encore une fois, Diddy Kong. Eh oui. Et vous allez comprendre le pourquoi plus tard. Moi j'ai trouvé là-dedans qu'il manquait. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose pour que ça soit intense. Ben pour moi, à mon goût, là, c'est mon opinion personnelle. Mais n'empêche que Nao, même si, disons-le, il abusait un peu, il aurait pas dû perdre cette manche-là.